se blesse pas, si, je crois. Donc en fait, franchement, refaire les champions d'arène, je pense que je vais l'enlever de la liste des trucs qu'on a à faire, parce que je le note que c'est intéressant, mais je le vois plus comme du farm, en fait, plus que comme une quête à proprement parler. Donc je vais l'enlever. Donc il nous resterait, globalement, hein, dans les quêtes, on s'entend, la ligue, éventuellement à refaire deux fois, les légendaires du parc Rossa Rugosa, Cresselia, Regigigas, la grotte des Arbis, et le Pokédex. Et les autres légendaires lorsque l'event apparaîtra, mais voilà. Donc c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Regigigas, tu vas faire les plaques. Oui, je sais. C'est pour ça que je le mets pas tout de suite. Je le note dans ceux qu'il faut que je fasse, mais je sais bien qu'il faut que je fasse les plaques. Là. Tout à fait. Alors. Hop. Oh putain, il était là, c'est une blague. Salaud. Hop. Putain, il est en dessous, salaud. J'essaie de le faire. Le parc pour les légendaires, c'est tout en bas à gauche. Là où il est, là, à peu près. Plus ou moins. Et je suis désolé, quand je suis comme ça, je lis moins le chat, parce que je suis en mode full concentré. C'est bon. Ok. Allez, go. Let's go. Moi, j'avais mis la master sur Cresselia, je trouve plus chiant que Créfolé. Ah, après, c'est un choix, hein. Oui, en soi, peut-être qu'une master, j'aurais pas dit non, tu vois, mais bon, Créfolé était relou aussi, donc... Dis-moi qu'il est encore là. Il se barre une fois sur deux, il est chiant. Il est chiant. Oh ! Et merde. Ok. Vas-y. Oui, c'est vrai que j'ai save en soi. Oui, c'est vrai. Ça me rebute toujours de restart. Surtout restart sur Switch, c'est chiant, non? Un peu. Mais non, pas repousse, les gars. On a vu tout à l'heure que c'était pas bon. Ah si, il est 50. Ah oui, si, lui, il est 50. Je peux, en fait, sur lui. Je suis bête, oui, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai. Attends, il est encore là ou pas? Il est plus là. Putain, j'avais oublié. Allez. Là, il est à côté. Je tente. Je tente pour voir. On avait fait le truc et tout, à voir. Hein. Voir si c'est long et tout. Je tente. Après, quand on y pense, Enti et compagnie, ils font souvent des resets. Donc en vrai, pourquoi pas. En vrai, pourquoi. Ah, c'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est long. De
Temps approximatif pour faire une plaque de régie, 30. Et 10 pour une L. 30 quoi? Secondes? Minutes? Heures? Minutes. Ok. Hop. Alors. Oui, pardon, oui, je sais pas. Alors. Copie-nous. Tu ne regrettes pas la master maintenant? Non, pas du tout. Vraiment pas. Vraiment pas, parce que là, on peut le carry avec Nosferalto. C'est beaucoup moins hasardeux. Je trouve ça beaucoup moins hasardeux là, maintenant, tu vois, malgré tout, parce qu'on arrive à le bloquer et tout, on peut se heal, machin. Que la dernière fois, on avait un Nosferapti niveau 10 qui pouvait rien faire. C'est beaucoup moins hasardeux. Donc non, 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 vraiment pas. Je préfère largement avoir fait ça. Hyperbole. Oh putain, la vache, par contre, il fait mal. Par contre, il est relou. J'y ai cru. Non, on a plus de rapid ball, non. Il va faire psycho. Ah, chier. Ouais, ça par contre, ouais. Ok. Vas-y, on va faire comme ça maintenant, puisque tout le monde fait. Hein. Il est pas frustrant, les trois mouvements des Pokéballs, là? Je te jure. Il est frustrant. En fait, ouais, ce qu'il y a de frustrant aussi, c'est le côté... T'as pas fauchage. Si on l'a, mais de toute façon... Enfin, là, on l'a pas sur un Pokémon. Et de toute façon, si je switch, le regard noir marchera plus. Et de toute façon, il peut se heal. Donc, tout ça, l'un dans l'autre. On peut tenter des rapid balls, mais vraiment, est-ce que des rapid balls marcheraient? Est-ce que vraiment des rapid balls marcheraient? Est-ce que ça pourrait être la technique? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Tiens. On peut apprendre fauchage, Nosferalto. Pas con. Peut-être que si. Peut-être que oui. Peut-être qu'il peut, en fait. Je vais regarder au coup d'après. Si on l'a pas là, je vais regarder. Il y a grave moyen qu'il puisse, hein. C'est pas con. Le problème, c'est coup psycho. La rune protège, ouais. En couvert par un voile mystérieux. Je sais que ça n'a aucun rapport avec le live, mais grâce à ton let's play Zelda Twilight Princess sur YouTube, je peux continuer mon aventure. Bah, pas de soucis, Bonnie Crack. C'est là pour ça aussi, hein. C'est là pour ça aussi. Je pense qu'il reste ça. Pas mal ça. Ah, c'est pas mal. Ils peuvent tous être shiny. Je joue de moins en moins à Pokémon Go. Je joue très peu. Ma copine y joue toujours beaucoup, moi très peu. Pour le coup, très peu. Les 3 Regis sont, sont très simples à attraper après. Ouais, bah à côté, j'imagine. Mais c'est pas grave, justement, on aura fait les plus durs. Aïe. Oh merde! Ah, je pensais pas. Je pensais pas qu'il me le tuait. Merde. Je pensais pas qu'il me le tuait. On va voir si effectivement on peut apprendre fauchage. Parce qu'en vrai, je disais oui, mon Pokémon pour farmer les autres, ce sera Lucario, machin.
Mais en vrai, là, on a un Nosferalto au niveau presque 50. Il pourrait déjà nous carry 3 quarts des Pokémon sauvages, en fait. Hein. Donc en vrai, on va regarder pour fauchage, ouais. En vrai, on va regarder pour fauchage. Vous savez, ce qui me frustre, moi, c'est pas tant de reset, c'est de me dire que les heures de jeu, là, du coup, sont pas comptabilisées. Ça me frustre. C'est vrai que ça me gave le reset, mais c'est vrai que c'est le mieux, surtout en stream, plutôt que de blablabla. Je pense qu'il peut apprendre fauchage. Je comprendrais pas qu'il puisse pas. Il peut pas. Envie de mourir. Envie de mourir. Les heures sont comptabilisées sur ton profil Switch. Ouais, à l'arrière. Putain, il peut pas apprendre fauchage, mais pourquoi il a des griffes comme ça, là? Tu en auras avec les souterrains, des arts. Mais alors, je vous avoue, les souterrains, ça me botte pas du tout. Je vais pas vous mytho. Ça me botte pas du tout, le délire des souterrains. On verra, mais pour le moment, ça me botte pas. Peut-être. Ouais. C'est nécessaire pour les plaques. Oui, je sais. J'ai compris que c'était nécessaire pour les plaques, mais je trouve ça chiant quand même. Je trouve pas ça. Pour ça, je vous dis, est-ce qu'on fera le Pokédex à 100%? Je sais pas. Hop. Ouais, mais non, après l'idée c'est de faire les jeux quand même, tu vois, mais... Allez! C'est terrible! C'est terrible, c'est terrible. Au moins tu chopes tous les légendaires dispo en dehors du parc. Oui. Il a combien de coups psycho là? Vous savez? Non, sombre ball ça marche pas, c'est que dans les grottes. 10. C'est chiant. Parce que s'il fait tranche ou coup psycho, on a fait des runes protect. À 20h, tu pourras utiliser son brobol. Non, c'est vraiment que dans les grottes, même s'il fait nuit. C'est bon. Oh non. J'ai cru là. Ah, relou. Il va se heal. Le relou qui va se heal. Merci Phoenix Red. Non, sombre ball, c'est dans les grottes, mais aussi la nuit, je l'ai vu sur Wiki. Ah bon? Ah bah alors faut voir. Alors, est-ce qu'il vaut pas mieux qu'on le tente plutôt ce soir avec sombre ball? Peut-être, hein. Je sais pas, hein. Je vous ai demandé tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était surtout... Donc, je sais pas. Une Pokéball efficace de nuit ou dans les endroits sombres. Je tente ça, mais c'est très risqué. C'est pour la nuit et les grottes. Ok, alors si c'est pour la nuit et les grottes, on va attendre. Puisque ce soir, vous savez, de 21h à minuit, on est encore en live. On va attendre qu'il fasse nuit. Et on viendra lui donner le coup de grâce. Et donc pour l'instant, on va faire autre chose. Pense aux Chrono Ball, elles sont ultra utiles. Oui, c'est Mother Dragon. On en a utilisé plein sur les précédents légendaires. Mais là, ça fait pas assez de tours. C'est 10 tours minimum et 30 tours pour les maximiser. Donc, bah, redémarrer les plaques. Alors, on va démarrer les plaques. Je sais même pas comment ça marche. Explore kit. Bon, là, on démarre le Pokédex. Comment ça marche? C'est pareil, faut creuser.
Merde. Il faut creuser du coup, pareil. Oui. Est-ce que c'est une plaque ce que je viens d'avoir ? Je sais pas. Le mur s'est effondré. Sphère rouge. C'est quoi l'autre truc ? Ah, un coffret élégant. Le coffret se met à briller. Une statue d'Opley. Ok. Vous trouvez des éclats étranges. Attendez. Pokémon diamant brillant, nanana. Propose de capturer un grand nombre de Pokémon légendaires dans le parc de Rugosa. Seulement pour les combattre et tenter de les obtenir dans votre équipe, il va falloir acheter de nombreuses tablettes vendues par la boutique du parc. Elles s'échangent en plus contre une monnaie assez particulière, les éclats étranges. Il faut vaincre la ligue et débloquer le Pokédex national. Ok. Il est ensuite nécessaire de descendre dans les souterrains à l'aide de votre Explorer Kit. On vous conseille de jouer en ligne pour optimiser votre temps. Ah bon, pourquoi ? Bon, ok. Les éclats étranges se trouvent via l'excavation en creusant les murs. Il s'agit des points brillants sur votre mini-carte. Appuyez simplement sur R pour le scintillement sur un mur et commencez à creuser. Toutefois, si on vous conseille de jouer en ligne, principalement à cause des topiqueurs, lorsque vous en ramassez 40, ce qu'ils laissent derrière eux, vous déclenchez alors une phase où les objets récupérés seront plus rares. Ok, plus diamant. S'appuie sur L et R en même temps quand tu cherches les trucs pour creuser, et bah tu vois les endroits où on peut creuser. Ah ouais? Attendez. Attends. Et vous, vous dites utiliser la pioche plutôt? Putain, j'ai eu vol. Tout a été déterré. Un morceau étoile, une sphère verte, une sphère rouge. Et c'est quoi que je dois récupérer? C'est quoi que je dois récupérer d'ailleurs? Une étrange. Une sphère étrange. Merci Pipiou, merci beaucoup. Regarde la fissure en haut. La fissure en haut. Parce que là, j'en vois même pas. Mais sur R, ça me permet. Ah, mais là, d'accord, ok. Ok. La fissure, c'est quand tu creuses. Oui, mais ça, j'ai vu. Bien sûr, ça, je sais. C'est mon temps. C'est les. Ce qu'il me reste. Non, c'est pas les PNJ pour Spiritomb, c'est des vraies personnes. Deux objets. Ok. Ok. Là. Ok. Avec une sphère étrange L, tu peux acheter une plaque. Sphère bleue. Et 3 sphères étranges S pour une autre plaque. Ok. Et les sphères étranges, c'est pour tous les légendaires? Ou c'est que pour certains? Genre là, les sphères bleues, machin et tout, ça me sert à quelque chose quand même? Utiliser R tout le temps pour détecter plus vite. Mais pourquoi? Ah, tu veux dire pour... D'accord, je viens de comprendre. Oui, d'accord, ok. Pour tous, ok. Bah yes, franchement. Hein. Ah putain, ils sont où les trucs? Waouh. Raté.
Quand il te manque qu'un petit carré est cassé pour finir de déterrer une pièce, passe à la pioche, c'est plus précis. Et ça avance moins l'effondrement. Ok. Je vais pas vous mentir, c'est ultra chiant. J'en viens à me dire qu'on va pas faire le parc, hein, les gars, on va plutôt partir sur un Pokédex, mais... c'est ultra chiant, en fait. Enfin, c'est pas drôle. Enfin, pour le coup, je comprends pas cet ajout. Je dis cet ajout, je sais pas, mais en tout cas, perso, je crois... Ah, peut-être que c'est moi qui ai pas de patience, en vrai, mais... Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Un tesson? Non, c'est relou ce moyen pour légendaire de ouf. C'est ultra relou. Tu trouves pas ça addictif l'excavation? Addictif? Non, pas du tout. Je trouve ça absolument insupportable. Ça me tend, j'aime pas du tout. J'en suis à me dire, on va plutôt aller chercher le Pokédex ou faire la ligue. Oui, au moins une plaque, non mais oui, on va essayer d'en faire un, bien sûr, mais... Waouh. Oui, en soi, le Pokédex ça peut être fait en même temps, t'as le Pokédex dans les salles. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon. Généralement, le marteau faut utiliser car ça s'effondre trop rapidement. Attendez, oui. Peut-être que j'ai pas la bonne technique. Peut-être que j'ai pas la bonne technique, en fait, oui. Ok. C'est juste que je sais même pas à quoi ça ressemble visuellement ce que je cherche. Voilà, c'est déjà mieux là. Soit un losange rose, soit une sorte de fleur de lotus. Ok. Ok, marteau casse la roche et pioche le reste. Ouais, peut-être, ouais. Effectivement. Oui, en soi, on pourrait essayer d'avoir d'autres trucs en même temps. Enfin, les Pokémon en même temps. C'est pas faux. Oui, c'est vrai en fait, c'est pas faux. Alors. Ah, c'est long. Mais... Là. Oh. C'en est pas un, ça? Que ça en est pas un. En voilà un S. Ok. Est-ce que je peux en avoir plusieurs dans un même truc? C'est éclat étrange S. Ok. Et il m'en faut 3 pour un légendaire, c'est ça? Si je dis pas de conneries, c'est ça? Il en faut 3 des comme ça pour une plaque. Ok. Okay.
Ok. Non, merde. Ou juste un L, ouais. Petit résumé, il niveau combien, là? Niveau 63, par contre, les mecs. On n'avait pas réussi à fuir. Oh là là, mais ça va être insupportable aussi à les farmer là-dedans. Et ça, 3 fois. Ouais, ouais, d'accord. Je vois. On n'avait pas réussi à fuir. Mais putain! C'est bon. Si tu entres et sors d'une zone à poké, tu peux farmer en même temps sans trop te déplacer. Ouais, mais sauf que farmer, vous êtes mignon, mais vous avez vu les niveaux des Pokémon? Après, est-ce que ça fait de l'XP? Si ça fait de l'XP, ça fait une belle zone à XP à la rigueur. Est-ce que ça reset aussi les trucs qui sont dehors? Non, je crois pas. 4 objets ont été détectés. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Je sais pas ce que c'est. En plus, du coup, c'est tellement la concentration que je vous lis plus, quoi. C'est pas la folie. Ça va être Rochelys, ok. Du coup, si je sors et je re-rentre... Pareil, ces trucs servent à quoi, là? Rose bouton, là, machin. Statue de rose bouton, ok. Ok. Hop, il y en a là. C'est de la déco, ouais, c'est de la déco. La base secrète, c'est pour la base secrète. Mais ça, pareil, j'ai jamais fait la base secrète. Pourquoi j'ai jamais fait pour l'instant la base secrète? Genre, ça m'a jamais proposé de faire la base secrète. Et je sais pas pourquoi. Je suis pas obligé de m'attarder sur ça si jamais. Enfin, comment dire, si je vois que ça c'est pas bon, je peux en chercher un autre plutôt. Ah merde, j'ai tout. Pour la base secrète, on voit le mec qui te donne l'explorer kit. Quelques quêtes pour débloquer la foireuse. Ah, on n'a jamais fait ça et c'est marrant, personne me l'a dit. Je vais le noter au cas où, je sais pas si on le fera. Ok, statue de Vasilis. C'est quand même extrêmement relou ça. Ok. Alors. Hop. Ok, j'ai eu les 3, mais c'est pas ça. Sphère bleue, sphère S. Après, il se met à briller. Ouais.
Bon, je propose d'en essayer encore une ou deux. Et si on n'y arrive pas, d'ici la fin du live, on va faire quelques Pokémon pour le Pokédex. Et bah, je sais pas. Parce que là... Il y a aussi un mec à fight en post-league dans l'hôtel du lac Courage. Ok. Je le note. Ok. Putain. Y'a personne. Évidemment, on va le voir à la dernière minute. Oh là là. T'as fait le combat avec le mec à la tour de combat. Le combat avec le mec. Quel mec à la tour de... On est allé à la tour de combat, on a combattu des gens, mais... Je sais pas de qui tu me parles exactement. C'est trop flou. Et là, on... oh, putain, et là on arrive au bout en plus. Oh, mais c'est de la merde. Oh là 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 là, c'est nul. Oh ça par contre, c'est nul. T'as vu ma chambre dans un truc. J'avoue que là, oh là là, quel enfer. Je dois rebouger machin. Ingérable. Puis là en plus les Pokémon tout cela je les ai pas, mais si c'est des niveaux 60 machin. Ah mais ça respawn en fait, bah c'est bon. Parce que là pour le coup Alors oh. C'est quoi? Ah, c'est une pierre ovale. Ah, j'y ai cru. Sphère bleue, sphère pâle. Ah merde, j'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru. Ok. Allez, au moins en avoir une, quoi. Au moins en avoir une. Et qui s'énerve. Ah, ça commence à être relou là, j'avoue. Bah oui, c'est de la merde. Et il y a combien de légendaires? Il y en a une dizaine, une vingtaine. Faut faire ça, mais... Enfin... Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, vraiment. Franchement, à la limite, je vais me les passer tous depuis... on vérifiera, mais je me demande si je vais pas tous me les passer depuis épée, en fait, hein, mes légendaires. Parce que... Waouh. C'est quoi le but là? Alors, je réexplique pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Il y a, dans les nouveautés du remake, il y a ce qu'on appelle le parc Rosa. Ce parc nous permet d'avoir tous les légendaires de Pokémon. D'accord? Sauf que pour avoir ces légendaires, il faut
récupérer des plaques. Ces plaques se forgent en allant miner, comme on fait là. Il nous faut 3 objets pour faire une plaque. Une plaque correspond à un légendaire. Donc, vous faites le compte, il nous faut une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de plaques, j'en sais rien. On en a une et on en trouve 0. Voilà. Donc, have fun. Aucun putain de sens. Donc, en vrai de vrai, les gars, je vérifierai ma partie sur bouclier, mais... je crois que... Oh, c'est grand, ça. Je peux pas les acheter, non. Ok. Ça rend le soutien utile, mais bon. Ouais, c'est ça. Roche glace, machin. Mais Ça, t'en as pas. Bon, allez, hop. Franchement. Moi, j'ai plus envie de faire autre chose. Regardez. J'ai plus envie de faire un truc qui me paraît plus sympa, franchement. Là, comme ça, moi, ça me vend un peu plus de rêve. C'est d'arriver, c'est de faire ça. Go faire le fight du mec au lac courage. Ah oui, à la rigueur, on peut faire ça. Mais il est fort, ton mec au lac courage? Lac vérité, lac courage, il est là. Je sais pas si on a noté cette quête. Motisma disponible. Oui. T'inquiète, t'inquiète, on l'a moti, on a noté Motisma. Hop. Aurore, bah on a beau essayer, Aurore, on veut pas. Hein. Aurore, on a voulu, t'as pas voulu. Donc bien sûr, je rappelle, il y a Cresselia. Mais pour Cresselia, il faut qu'on attende... je ne sais plus quoi. Il faut qu'on attende la nuit pour les sombres bols. Voilà, on pourrait changer l'heure de la console, mais vu qu'on relive ce soir, voilà. Et après, pour tout ce qui est dans le parc Rossa, j'essaierai, je pense, d'en avoir un via les plaques, histoire quand même d'eux, tu vois. Mais je pense que tous ceux qu'on pourra avoir autrement, donc j'imagine via, par exemple, transfert de Pokémon de épée et bouclier, on s'en privera pas. C'est derrière. En ligne, c'est plus rapide. Les gens font les topiqueurs qui activent une phase de boost de trésors rares, donc plus de sphères rares. Ok. Il y a une piscine au niveau de l'hôtel. Ah, mais c'est pas ici du tout, alors. Attends. Comment ça, il y a une piscine au niveau de l'hôtel? C'est pas là, alors. C'est pas dans le lac courage. Ok, bah, il faudra voir en ligne, à la rigueur. À la rigueur, faudra voir en ligne, alors. Hop. Attendez. À quelle heure live ce soir? 21h. 21h à peu près. C'est à partir de 21h que tu peux transférer avec Pokémon Home. Ouais, mais... pour transférer de épée à bouclier... enfin, de épée bouclier à ça... il n'y a pas besoin de Pokémon Home. Si? Vous me faites peur, là. Pour les Pokémon légendaires du parc Rosa, tu fais ça hors stream. Ouais, mais même hors stream, c'est pire, j'ai pas que ça à faire. Enfin, justement, les gars, je. Non, vous vous rendez pas compte, enfin, c'est pire de me dire ça, moi. Si, on peut pas. Bon, bah, dans ce cas, oui, par trade. Ah, voilà. Marche pas car on lit Pokémon 4G ici. Bah, non. Il y a des... là, il y a Psycho Quack et compagnie et compagnie. Donc, non, c'est pas only Pokémon 4G. Je comprends pas, Eri, ton truc là. S'il te plaît, dis-moi, je comprends pas. La piscine, c'est lui qui veut se battre? Ah! Voilà. Ok. Donc, ouais, pour moi, c'est pas gênant. Ok, Spirit tombe. Toujours bête de m'ériger. On verra, on verra, on verra. Tant qu'il reste des trucs à faire. Ah,
Ok, il va manger. Allez, on continue. Je pense qu'au-delà de la 4G, tu peux transférer. Au-delà, ouais, tu peux pas, ce qui est normal. Mais dans tous les cas, là, par rapport au parc, ça nous propose pas des trucs qui sont au-delà de la 4G. Je crois. Donc c'est bon. Ok, il le renvoie. On va quoi, Pyroli. Ok. Ok, ça, ça dégage. Pour les tablettes, un éclat étrange, S. Ouais. Je sais pas, on essaiera peut-être, on va peut-être essayer vite fait là en multi, voir ce que ça donne. On va peut-être essayer vite fait en multi, voir ce que ça donne après. Peut-être qu'effectivement, ça va me réconcilier avec le truc, mais pour l'instant, effectivement, ça me fait très peur. Donc à voir. Oh, ça marche pas du tout ça. Oh, ça marche pas du tout. Je pensais, mais effectivement, vu que Aqualis c'est pas très fort, enfin c'est pas très lourd, pardon. Je pourrais être les régis le temps de faire la Gigas, au moins un truc en moins de la liste. Ouais, mais bon. Putain, mais j'aimerais bien réussir moi-même quoi. Déjà, tu m'as aidé pour le. Après, je me dis, ça fait partie du jeu vu qu'on a la possibilité d'échanger machin et tout. Donc, je sais pas. Oh, s'il m'y avait zéro faire de la peine. Ok. Là, il va me tuer. Efficace. Efficace. Ouais, le trade est là pour aider. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Ah, pourquoi pas à la rigueur. Pourquoi pas. On peut faire ça tout à l'heure si tu veux. Comme ça, on essaie d'avoir Régigigas et Cresselia ce soir. Ce qui peut déjà être pas mal. Et comme ça, on aurait. En fait, en faisant ça, on aurait 100% des. On aurait 100% des Pokémon, entre guillemets, de la gêne, quoi. Hors parc. Ce trafic en plein direct. Bah ouais. Ouais, t'as du bon Régi. Ok, Aqualis, ça dégage. Il en a combien en fait des Pokémon? J'ai pas vu, il en a 6. Une carrière de 38. Un Hippodocus, on va changer. Y'a pas Itran aussi? Bah on l'a, Itran, c'est bon. C'est bon, c'est bon, on l'a, Itran. Ok, Hippodocus. Vas-y, Hydroqueue. Ah. Oh non, pas Baïmou. Surtout que les légendaires dans le parc sont débloquables dans un ordre. Oh, mais quel enfer. Dites-moi, j'y pense, là. Germignon, il peut pas apprendre Fauchage, par hasard. Ou Méganium, hein. Parce que est-ce que ce serait pas worse de mettre Fauchage au Germignon 70 qu'on a eu? Idée comme ça. Hein. Faudrait vérifier. Oh merde, ça y est, ça dort. Si Germignon Fauchage possible. Bah dans ce cas, les gars. Non, je crois pas. Ah. Bon, nous avons. Oui, un Pokémon de mon équipe qui peut la prendre, sauf que car chaque fois que jamais je lui enlève ses attaques pour Fauchage. Non, il peut pas. Oh. Tristesse. Tristesse. Tristesse, tristesse, tristesse. Hop. Non, c'est. Ok, ça passe. Je pense que le moment des remakes.
J'aime beaucoup. Très classique. Pas trop de nouveautés en vrai, mais. Mais ça va, c'était cool. Dans la tour de combat, c'est pour affronter Connie, le père de Barry. C'est le seul truc à y faire car il n'y a pas les 4 bâtiments issus de la version platine. Bah, on l'a vu, le père de Barry, mais on l'a pas affronté, non. Parce que. Effectivement, alors je vais noter. Trop de trucs à faire. Je note dans les trucs qu'il faudra faire, du coup. Je note dans les trucs à faire. Est-ce qu'on peut revoir la replay sur YouTube? Bah là. Il y a un épisode qui sort dans 10 minutes. L'autre est sorti à midi. Donc ça sort, hein, ça sort tous les jours. Midi quand tu voudras pour les régies. Bah après ce soir si t'es là, sinon demain. Enfin non, demain, je sais pas en fait. Dans l'ordre, les régies, Latios, Latias, les trois oiseaux. Ou chien, Oho, Lugia, Kyo, Groudon, Ekozem, Mewtwo. Tu te rends compte, Eric, que dans tout ça. Bah en soi, il y en a plein que j'ai pas sur épée, donc pour les avoir. Bon, on verra. Dans la boîte, non, on a déjà vérifié. On a Lucario qui peut la prendre, c'est pour ça qu'on a Lucario avec nous. C'est juste que j'étais en mode, ah, Germignon qui est déjà très haut niveau, ça pourrait être stylé. Mais c'est bon, on en a un là qui peut la prendre. Ok. Il faut faire 21 victoires consécutives pour rencontrer Connor à la tour de combat. Oh, quel enfer! Il y a trop de trucs limite en fait. Il y a limite plus de trucs à faire après qu'avant. Ouais, je l'ai arrêté le Nuzlocke bouclier, ouais. Capidextre, on change pas. On fait séisme. Oh merde. Il est chiant. Go. Le Germignon, c'est dans les souterrains que tu le chopes. Du coup, vous voulez pour avoir les 4 derniers gendarmes. Pourquoi les 4 derniers seulement? J'ai pas compris. Et pourquoi seulement les 4 derniers? Oui, on va continuer Twitch, bien sûr. Mais pourquoi je n'attaque pas? Close combat. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser les régies de Pokémon Épée pour avoir Gigas dans cette version? Bah, je pense. Enfin, ça dépend, pas les nouveaux, mais les trois anciens, oui, je pense. Mais le problème, c'est qu'apparemment, certains disent qu'on peut pas échanger directement de épée à. Donc, je sais pas. Arrêtez Minecraft Mode 2, tu vas le reprendre, je sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas. Avec l'ordre Kyogre, Rayquaza et Mewtwo sont les 4 derniers légendaires du parc, t'es obligé de faire les autres avant. Oui, mais peu importe. Peu importe. Bon, on l'a eu, je crois. Aïe. Ok. Il avait pas de spiriton, mais il y en avait un qui l'avait retiré. Qu'est-ce qu'il va m'offrir? Le charme ovale. Ok. Ok. Alors attendez, je veux juste vite fait checker un truc. En ligne. Allez, go. En fait, faudrait qu'on voit, ça se trouve on pourrait récupérer, je vous dis plein de trucs. Je sais pas. Bon alors, comment ça marche? En gros, on voit plus de topiqueurs de ce que je comprends. Ça. Il faut que je trouve des topiqueurs avant tout, c'est ça? Comment on les trouve les topiqueurs? C'est les trucs bleus, non, les trucs bleus c'est les joueurs.
Va à Vestigion, il y a plus de monde. Ah. Attendez. Yep. Pourquoi spécialement Vestigion? Sous ta cam, il y a une barre 0 sur 40 quand elle est pleine, c'est good. Ah! Chiant ça, qu'il soit pile sous la cam, évidemment. Et c'est quoi? C'est un topiqueur égale un... égale 1 sur 40? Ou alors un topiqueur, ça vaut plus de points que ça? Égale 1 et 3 égale 3. Mais c'est affreux. Oui, je sais qu'un sécateur égale âme après une fauchage. C'est ultra galère. Par contre, si on sort, je dois tout recommencer. Et ça change quoi le fait qu'il y ait plus de monde? Je comprends pas. Qu'est-ce que ça change le fait qu'il y ait plus... Ah oui, il y a du monde, effectivement. C'est quoi ça? Ah oui d'accord, c'est les bases secrètes ça. Il récupère les topiqueurs pour tout le monde. Ah! Alors attends, ferme ma cam. Ah oui, on est 1 sur 40 là. Ok. Ok. Et en fait, il faut impérativement que ce soit à son maximum pour que les objets rares soient plus soient là d'un seul coup ou bien... comment dire? Genre, ça monte progressivement. Tu remplis la jauge plus vite. Ah ouais, mais putain, pourtant. Pour l'instant, on n'en voit aucun, non? Pour l'instant, on n'en voit aucun. Oh ouais, je sais pas si. Ok, c'est bon. J'allais dire, je sais pas si ça vaut le coup de le faire maintenant, parce que là, je vais m'arrêter. Eh, mais attends, mais là, je les enchaîne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que je sorte comme ça, genre? Est-ce que ça marche de faire ça? Non, pas vraiment. Ah si. Parce que tu sais pas quand ça a 40, oui, mais... justement, on... merde. 6, non mais les gars, c'est giga long. Après, tu me diras, une fois que je suis dedans, bon, je suis dedans, mais... peuvent respawn juste derrière toi. C'est ça, et puis surtout... je sais pas, là vu que je vais m'arrêter en plus, est-ce que ça vaut le coup Bon alors je reste co là-dedans, mais bon. J'imagine que si je reste connecté longtemps, si je suis AFK, pas ouf. Voilà, donc regarde. La phase des 40 est pas illimitée. Ouais, donc en fait, c'est pas... c'est pas worse du tout, quoi. Ah, vas-y, je vais attendre en faire un. Ouais, deux objets sont là. Ok, tu vois, mais pareil, là, c'est pas... go faire ça ce soir. Bof. Bof, hein. Bof, 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 en fait. Vraiment pas ouf, quoi. Je trouve. C'est bizarre s'il n'y a pas d'autres topiqueurs. Attends, mais on est à combien, maintenant? On est à 10. Ça monte en vrai. En vrai, ça monte. Mais bon, si le truc est pas illimité... Vas-y, on essaye un peu.
Mais sans décoller. Putain. Ouais, même si tu me prêtes tes régies, tu vois, en fait, tous les autres Pokémon, voilà. Ça va quand même être l'enfer. Ouais. Au moins pour la Gigas, oui, au moins pour la Gigas, ouais, pourquoi pas. Puis on fera l'autre en même temps. Alors attends, on tente juste le dernier qui est là, là. Bah, il n'y en avait pas un là dans le coin. Là. Ok. Incroyable. Oh là là, c'est horrible. Bon bref, allez. Pire ajout. Pire ajout. Vraiment. Retourner à la surface. Salut. Salut, je préfère large voir pour le Pokédex, Cresselia, Regigigas, tout ça. C'est l'enfer ce truc. Bref. Un save. On va arrêter là pour cette session. On aura fait du coup quand même Itran. Une grosse session Itran en plus. Donc c'est pas mal. Du coup, tout à l'heure, on fait éventuellement Regigigas. Éventuellement. Cresselia. On essaie de faire ces deux-là. Puis derrière, on va voir. Derrière, on voit ce qu'on fait, soit on démarre Pokédex, soit on va refaire une ligue, soit je sais pas. Oui, c'est pas un ajout, ça existait peut-être, ça existait. Oui, mais t'avais pas besoin de ces trucs-là pour débloquer les légendaires du parc, je veux dire, tu vois. Donc voilà. Bref. Enfin, sauf si j'ai une connerie, mais je crois pas. Je pense, en tout cas. Bref, voilà. Et puis on continue d'XP, machin, bidule. Voilà. Allez, des bisous tout le monde! A tout à l'heure, si vous êtes là. Et puis bah, sinon, je vous dis, alors je sais pas du tout si demain on livera ou pas, j'en sais rien, ou si c'est repos. D'un côté, je me dis, repos peut-être bien. D'un autre côté aussi, j'aime bien l'ambiance qu'on a créée sur les lives, où il y a plein de gens et tout, donc je me dis, ce serait bête de faire une coupure, donc je ne sais pas trop. On verra. Reprise vers 21h, ouais, 21h, 21h15, ça dépend. Voilà. Allez, des bisous! Et puis, bah, et oubliez pas, hein. On est à plus grand chose du sub-goal. Hein. Finalement, le sub-goal est à 1005. Donc, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Allez, à toutes.